Voilà, record. Hey, salut les amis, salut, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite session des pics oubliés. Donc le lundi de 16h à 19h, on fait des ranked sur des champions qui ont disparu de la surface de la circulation. Et on est parti du coup aujourd'hui sur une petite Miss Fortune. J'avais pas le skin Captain Fortune malheureusement, on est encore dans l'événement Bilge Water. Donc on est patch 5.14, nous sommes aujourd'hui le 3 août. Et donc non, j'étais encore sur le patch avec le Bilge Water, etc. L'événement Gangplank est mort, tout ça. J'avais pas le skin Capitaine malheureusement. Mais on va dire qu'on la joue un petit peu ERP et qu'on va, on va sentir l'âme du pirate aujourd'hui et qu'on va les défoncer total. Donc au niveau des différentes compositions, nous avons donc un Nautilus en support, un Fizz en top lane, un Echo dans la jungle et un Ryze sur la mid lane. En face, ils ont donc Yasuo top lane, Orianna mid, Rek'Sai jungle, Janna, Kog'Maw bot lane. Ils ont une composition, les potes, elle fait peur. Genre vraiment, elle est effrayante, hein, la composition. Genre là, moi, là je suis pas serein. Donc attendez. Voilà, comme ça moi sera parfait. Ah ça change tout, hein. Ah ça change, nickel, en plus ça a pas rebondi là, c'était vraiment parfait. Donc je me suis mis super bien. Là c'est pas mal ça, il tente d'aller empêcher le tout. Wesh, tu fais quoi? LOL. LOL il l'a pris. Mais non, mais non. Il s'en bat les steaks. Il est arrivé, il a mis une attaque, il a mis son Z, il est passé level 2, il est reparti avec son grab. Oh il s'en bat les couilles. Oh là on en est à un stade où vraiment le mec s'en bat les steaks. MDR. Oh, il a claqué l'exhaust, c'est parfait. On recule instant. Mais non. Oh il aura chié dessus. Bon par contre là je fais le fou. Voilà, on se met dans le bush, on profite du brouillard de guerre. MDR, cette game commence bien. Cette game commence très très bien. Oh, flash out direct, il a transpiré. Je vois que ça transpire pas mal. Putain, eh, mon dessus c'est Bakari. Il va solo carry 100%. Bon, en tout cas, j'arrive bien farm. Hein. Déjà 6 creeps sur 2 waves. Pas dégueu. Pas dégueu. Donc, on est sur une bonne phase de lane pour le moment. Et boum. Voilà, boum. On met une bonne session là avec le Z qui a pop. Donc, on profite de la vitesse d'attaque. Mais je suis chaud en farm. Hein. Waouh. J'ai raté la majorité de mes farm. Allez, pas mal ça. On met une auto. On fait attention quand même. Ah, sorry. J'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il voulait me soigner avec sa magie. Par contre c'est pas mal hein. C'est swag Nautilus. Genre tu pars avec l'encre et tout, en plus c'est bien roleplay avec Miss Fortune. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est un bon champion. Dans l'idée ça va être parfait. Et boum. Je maxe le A. Ah j'arrête beaucoup le creep par contre hein. Je suis à 16, il est à 10 alors qu'il est totalement sous pression. Ah c'est pas dégueu hein. Ils sont où les dégâts de ses autos? T'es sérieux? Respecte mes autos. Il sera pas respecter mes autos, mec, je suis chaud. Chaud de ouf là. Ah, faut que je fasse attention quand même. Hein. Ok, j'ai pas trop envie de me faire avoir, mais ils ont pas non plus le potentiel pour venir me chercher. Ah, Sauce. Sauce, je suis pas chaud en Alicari. Vas-y, je rate tous mes creeps aussi, je suis un doge. Là, à la base, je devrais avoir 25-30, facile. 4 minutes de jeu, je dois avoir 30. Hein. Ah, je suis vraiment un chien de ouf là. Putain. Là, je veux bien être roleplay et tout, mais il y a aucun roleplay dans le fait de rater des creeps. Hein. Genre, j'essaie de me trouver des excuses hein, pour le fait que je rate des creeps, mais j'en trouve pas, donc c'est nul. Pas mal, il farm à distance donc il est pas dégueu. On fait attention quand même. Ok. Et cool. Wow 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 wow. Calm the fuck down. Oh dommage. Donc là c'est pas mal. Je vais le mettre de bons dégâts. Le Nautilus qui fait le malin avec son maîtrise 5 Nautilus là. Il s'éclate bien. Vas-y, je lui laisse prendre ça. Alors, il met une auto-attaque. On fait attention quand même. Je vais le mettre une quête ici. On ne sait jamais hein, si jamais la Rek'Sai est restée. Donc on prend du farm, on est à 24. Le Kog'Maw est à 20, wesh. Comment je pue la merde? C'est incroyable ça. Eh, ma nullité est incroyable. Il n'y a pas de nom sur cette nullité. Vas-y. Eh mec, j'ai raté. Genre 10 creeps facile. Genre plus que ça, 5 minutes. Non, t'es à 40, 43, tu vois. Genre 5 minutes 20, 43 creeps. Ouais, ouais, 43 exactement, les gars. Genre il n'y a pas genre un creep de plus, un creep de moins. Pas mal, le kill qui a été récupéré là-bas sur une phase de 2v2 parfaite. C'est GG, ça. C'est bien GG, donc je vais partir sur une IE first item. Après, est-ce que j'ai pas envie de partir sur le build caster, genre MF à l'ancienne, genre avec justement le fait de prendre Bruta, de prendre couperet noir, ce genre de choses. C'est vrai que le couperet pourrait être pas mal. J'ai envie de tester un build, les gars. On teste un build, là, en rank'n, on s'en bat les steaks. Là, on est sur une phase où vraiment, on s'en bat les couilles total. Donc voilà. Voilà, on prend le farm au top. Ça prend le kill aussi sur notre petit Fizz, qui nous a mis super Machalux. Donc vraiment là, au top du top, là, pour le moment. Dommage, bien tenté.
Alors, j'ai voulu reset l'auto avec le A, donc c'est pas mal. Le Rice qui décale, qui va néanmoins mourir sous les coups de Rexé. Donc là, ouais, c'est... il se passe des trucs, tu vois. Donc la game est tranquille, on va farm. Voilà. Hop les. Ok, il veut push. Très bien, il a dit qu'il voulait push là. Avec son Z, en gros, il annonce le push. Ouais, je suis grave chaud, enfin. Nice, le bon cancel d'auto-attaque là qui nous fait super plaisir. Ah, il a pas back toujours. Vas-y, ils veulent pas back eux. Hein. Ils se disent, on reste au bout de notre vie. Hein. Aïe. Et il a un stack. Nice, ok. Donc, je vais continuer à farmer le doublé. Une auto-attaque qui passe de plus. Voilà, je mets une auto, je prends pas l'aggro. Ah, attention, on peut pas trop là. Il veut focus la tourelle, donc je continue à focus la tourelle, il n'y a pas de problème. Donc là, ok, je mets 3 autos. En gros, là, je vais suivre juste notre cible hein, pour le moment. Donc je vais pas non plus pouvoir faire ce que je veux. Top lane, ça m'a l'air d'être tranquille. Il est là, il se fait push pour le moment. Il y a 3-1, je suis à 44 creep. Mec, quand je peux être top farm de la game, j'en ai des chiens quand même. On a une team, les gars, on a oublié d'apprendre à farm. Hein. Genre, passer diamant sans savoir farmer, c'est quand même assez difficile. Hein. Ouais, je sais pas. Il a fallu me rain, hein. Donc je vais acheter une BF. Ah, je vais acheter une BF, j'ai les gold pour une BF les gars, je vais acheter une BF. Pas mal ce skin. Game over. Avec l'image de Gangplank sur l'écran, pas dégueu. Donc je vais partir sur une Hero, allez, on va pas non plus tenter le diable. Donc je vais partir sur une BF et je verrai ce que je fais ensuite. Donc non, IE serait la chose la plus logique. Sachant que voilà, genre IE c'est bien, c'est fort, etc. Mais je voulais partir sur le build Bruta couperet noir qui fonctionne bien sur le press R. Donc être une press R MF comme à l'époque où c'était genre vraiment vraiment fort. Maintenant, bon, c'est un petit peu disparu de la surface de la circulation, mais ce n'est pas très grave. Donc on a un Nautilus qui est parti sur des mobis. Là, je fais un petit tour histoire de pour le style. Et voilà. Donc là, malheureusement, décalage de la part de la Janna qui a pu sauver ça Orianna. Donc il est sur quoi comme stuff là? Je fais en sorte qu'il fasse attention quand même. Il a une brillance, il faut que je fasse gaffe. Donc plus de flash sur le Yasuo. Punish Kog, bon, on essaye. Hein. Là, je vais bien le punir, mais en gros, il recule tellement depuis tout à l'heure. Donc juste essayer de l'empêcher de farm et ce sera pas mal. Donc si on lui deny le farm, c'est bien. Voilà, là il peut absolument pas farm. Ah, je suis sur une musique les gars. En gros là on s'ambiance sous fond de K-pop les potes. Ah, c'est quelque chose de fabuleux hein, vraiment hein. La K-pop quand tu joues des pics, les pics oubliés, c'est bon délire hein. Voilà, ça c'est bon ça, ça c'est bon ça. Nice à l'auto, allez une autre auto. Non. Quel dommage. Vite, vite, ralenti, ralenti. Oh non, j'ai pas pu. J'ai voulu le brain là, malheureusement j'ai raté. Donc sorry, sorry my bad là. My badu. Donc le gank sur la top lane qui est passé mais qui a fait le trade kill. On récupère une assist de plus. C'est dommage, j'avais plus mon flash. En gros j'ai utilisé mon flash de manière assez agressive. Donc je pensais pas pouvoir mettre mon ultime alors que mon ultime en gros l'aurait tué sans le flash in. Donc là, voilà. Ouais, là on tente des trucs sur mon champion, mais pas insane. Le niveau de jeu sur ma Miss Fortune n'est pas incroyable. Je vais partir sur quoi? Bon, allez, on s'en bat les couilles. Hein. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais, les gars, mais c'est ok, ça va être bien. Ça va être bien, je vous jure que ça va être bien. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il a tenté le trade. Pas mal la TP. C'est beau ça, le stun qui passe. Et là, je pense que notre cher Rexé va donc décéder. Il a enlevé le wall, donc ça c'est parfait. Attention quand même. Oh non, quel dommage ça. Ignite in. Oh non, il a pas. Oh, il a pas pris le kill. Il a pas pris le kill. Quel dommage. Allez, j'arrive. Je ralentis avec mon. Allez, salut. Merci pour le kill. Fais gaffe, toi. En gros, s'il était mort sur le passif, hein, vraiment, j'aurais insulté. J'aurais fait. Non, là, t'es un singe. Vas-y, pushons la lane. Pas mal la TP quand même qu'il a fait. Hein. On va quand même souligner cette TP qui était quand même assez bien jouée. Ok, pushons ça. Voilà. On va retirer ceci et je vais pouvoir acheter un Brutalizer. Et ça va être très bien ça. On décale sur la mid lane. Est-ce que ça a tenté quelque chose? Il y a le décalage de la Janna aussi. Ça c'est chaud. L'expel qui part. Ouais, c'est chaud. Je vais prendre un Bruta, allez. On va prendre un Bruta. Le gars, je sais pas ce que je fais en stuff, mais c'est ok. Donc le backup de la part du Nautilus, c'est pas mal fait. Faut qu'il se suicide. Hein. Faut juste qu'il se suicide maintenant. C'est pas mal. Il a plus trop de mana. Oh lol. Oh lol. Il a pris un kill. Oh non, la Rexai qui a aidé. Avec Saikade, là je pense que là c'est un kill malheureusement. Ça va être le 7-7. Ah, le shield, ouais ça sert à rien. Ah, là ça sert à rien. Donc là il va essayer de push la lane très certainement. Donc moi j'ai pris un gros Bruta, je sais pas pourquoi, mais là ça va être bien. Là ça va être bien.
on va mettre des bonnes autos. Ça va être le fire. Donc voilà, tu prends le ricochet. Ah si, il a pris. Il prend cher quand même, hein. Déjà 200. Hein. Il y a déjà 7-7 au niveau des kills. Pas dégueu. Ah, je suis bugué de ouf là. Voilà, et boum, il est mort. Donc il s'est fait punir instantanément. Donc c'est pas mal. La botlane, on s'en sort bien. Donc je récupère des kills gratuitement depuis tout à l'heure. Donc c'est le bon délire. On va focus instantanément le Drake, sachant qu'au niveau de la top lane, il y avait donc la Rexxay. Donc là, on est parti. Je vais faire IE Bruta, couperet noir. Donc en gros, en mode il n'y a aucun sens. Mais ouais, c'est pas grave. On va dire que là, le build n'aura aucun sens et ça va être bon délire ça. Voilà, c'est bon. Je laisse le Drake. Et il a pas son smite. Ah bon. Quel dommage. Voilà, le Drake a été sécurisé. Ça rebondit pas, on souffre. Voilà, je vais décaler ensuite sur la mid lane. Donc j'ai 80 creeps à la deuxième minute de jeu, c'est très peu. Là, en AD carry, en général, tu dois avoir facilement tes 100 creeps là, à ce niveau du jeu. Donc il faut vraiment se méfier de ça. 400 quand même là, c'est pas mal. Oh non, non, c'est dommage. J'la touche. Nice, les dégâts qui manquent. Oh non, peut-être les dégâts. Allez, mélange spell. Nice, ça. On récupère la 6. Ça, c'est grâce à mes dégâts. Sans mon ultime qui passe là-bas, il n'y a pas le kill. Et oui, on se donne un nez alors qu'en réalité, ils avaient totalement le kill. Mais c'est ok, on a été super utile sur ce move. Ouais, on est fort. On est très puissant quand même, on a du carré. Waouh, j'ai pressé R là d'une belle manière. Genre, je m'impressionne. Sorry. Sorry les potes, il se passe des trucs. Donc MF a été up, oui elle a été up, mais c'est pas suffisant. En gros c'est toujours un pic poubelle, mais voilà, on joue dans les pics oubliés parce que justement les pics oubliés c'est juste aussi vous faire ressortir quelques pics qui ne sont pas non plus OP. Donc voilà. Oh, pas ouf. Faut que je fasse attention là. Je vais partir sur quoi? Je vais partir sur une pioche là, histoire d'avoir un peu plus d'AD. Voilà. Donc dive cog. Ok, donc là on est parti sur un gros call dive cog. Janna est en haut, ok go. J'ai mal. Tu me rattrapes pas, you mad. La déception, en plus on a eu la 6, donc vas-y, je vais prendre la tour. Donc là je suis à 4-1-1, on est sur une game assez correcte. Donc faut que je fasse attention tout de même à la Rexxay qui pourrait vouloir me go in là. Ça pourrait être assez problématique, donc reculons instantanément. Voilà, on recule instant, il va falloir push la lane. Pushons la lane, par contre on est sur un Yasuo qui m'a l'air d'être feed là. Un Yasuo qui est feed les potes, ça fait mal. Un Yasuo qui est feed, ça fait genre vraiment vraiment très très mal. Donc allez, prenons la tour tant qu'à faire. Donc laissons les creeps légèrement. Voilà, on va pouvoir back là par contre. Là, il va falloir reculer hein. Kent follows. Je vais acheter du coup ça. Avec ouais, j'ai pas encore de quoi acheter ça, c'est pas très grave. Vas-y, on va acheter ça. C'est pas très grave. On va partir là-dessus. Il est tellement mal avec son Ryze là, il s'en bat les steaks total. Hein. Ouais, là il faut qu'on recule, ça sert à rien, On a un Echo qui est très 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 low. On a le Yasuo qui m'a l'air d'être aussi assez énervé. Donc est-ce qu'il va vraiment pouvoir le faire? Le Q-spell qui ne touchera pas. Et je pense pas qu'il puisse vraiment aller chercher là pour le move. Donc le Fizz qui est level 9, qui se fait un petit peu défoncer maintenant pour par le Yasuo. 4-2 sur le Yasuo, pas mal. Il est bien, 99 de farm, il est assez correct pour le moment. Donc va falloir faire attention. Donc je suis level 9. Par contre faut pas que je me fasse shutdowner là. À ce moment du game là. Par contre lui hein, vraiment c'est le singe du game hein. Yo, il a été bumped. Et là ça va être le grab, l'auto. Et là je lui mets un R, voilà, je lui mets R. Et ça met beaucoup beaucoup de dégâts. Oh dommage, le grab qui ne passera pas. J'ai enlevé 700 quand même hein. À la Janna là j'ai enlevé 700 de dégâts. Ce qui est quand même assez correct hein. Sur un R qui n'est pas passé à 100%. Attention tout de même hein. Attention tout de même. Une fois que j'aurai mon couperet noir là, ça va faire beaucoup beaucoup plus de dégâts. Donc je vais partir là dessus. On va essayer de faire quand même un petit peu gaffe, mais là pour le moment la game se passe correctement disons. Voilà, prenons du farm. Imagine si j'avais pas loupé tout le farm en early, je serais dieu. Là j'aurais été godlike. Donc là j'ai mon IE, j'ai toujours pas de bot. À ce niveau du jeu, c'est pas ouf. Oula, la petite chocolate qui est passée, ok nice. Ils sont méchants quand même. Ils sont très méchants dans mon équipe, hein. Waouh. Ah ouais là il y a de la violence là. Donc vas-y je décale au top là. Attention quand même, faites attention là-bas, il y a ce qui s'appelle une Rexxay. Faire attention. Est-ce qu'il a le poisson? Qu'il lâche le poisson, nice, c'est bien joué ça. Ok, il est mort, 100%. Salut, je ne peux pas. Est-ce qu'il peut le rattraper?
Il a ralenti de ouf là. Ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça. Ça c'est à moi, ça, c'est du kill ça. Et oui, c'est à moi. On va le steak là, tu peux me taper autant que tu veux, tu me tueras jamais. Je suis chaud là, je suis puissant avec MF1. Hein. Je savais pas si t'es aussi fort en AD carry, waouh. Je suis extrêmement talentueux. C'est. Waouh. C'est fou ce que je fais. C'est fou ce que je produis sur la Ligue des Légendes quand même. Voilà, on prend une tour, on prend des trucs. On prend des kills, on prend des golds. Voilà, on recule instantanément. Ça ne sert à rien. Il va me falloir quand même des bots en deux. Donc là, le petit gank sur Emilène, je pense que là, du coup, l'arena va décéder le bon flash out de sa part. Et elle va pouvoir, normalement, je pense, s'en sortir. À moins que le Fizz la rattrape. Il a quand même une trinité. Non, je pense que ça sert à rien. Là, je pense que ça sert à rien d'aller follows. Je vais mettre une trinquette ici. Et on va pouvoir back tranquillement. J'aurais dû back avant. Je pensais pouvoir aider. Mais j'ai pas pu appuyer mon équipe là. Donc, let's go. Je vais partir sur quoi? Oh, allez, un petit Fages. Le petit Fages qui va me mettre super bien. Donc j'y vais, ne t'en fais pas. Je cours très très vite avec mon Fage. Je vais partir du coup vers un couperet noir. Et après je prendrai des jambières du Berserker pour faire vraiment très très peur à mes ennemis. Et oui, comme ça va être très puissant. Là je prendrai peut-être une soif de sang. Allez, histoire d'avoir un petit peu de sustain. C'est assez bien, ça donne de l'AD. Ça vous donne des dégâts sur le barrage de plomb. Ouais, c'est bien, donc la K-pop ça débloque le mode faker, c'est connu. Ouais, c'est vrai. Si vous jouez avec de la K-pop, les potes, hein, vous devenez très puissant sur la Ligue des Légendes. C'est quelque chose de connu, si jamais vous ne connaissez pas ça, c'est pour ça que j'avais caché ça avant. Donc en gros, il faut savoir que si vous mettez de la K-pop, vous allez être beaucoup plus talentueux. Voilà, c'est bon. J'ai mon ultime level 2, maintenant les fights, ça va absolument pas être la même chose. Donc le Drake est up. Là, j'ai bien envie de leur mettre un ultime, mais en gros, le problème, moi, ce qui me fait peur là, c'est ce Yasuo. Avec son windwall, il peut me bloquer la majorité de mes balls. Ouais, c'est bon, on a pris le Kara. Pouvons-nous aller le chercher? On va le chercher. Oh putain. Il est mort. C'est pas mal, un petit kill gratuit. On va décaler maintenant sur la mid lane. Ah, je pensais pas qu'il allait se faire avoir comme ça. Décalons, il faut qu'on recule là, ça sert à rien là. On peut pas non plus l'ego pour le moment. On a le carapateur, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc pouvons-nous vraiment aller chercher? Il faut que je fasse attention à la tornade. Il faut que je fasse très attention à la tornade. Il a encore la tornade de up là. Voilà, il a balancé la tornade. Peut-être moyen maintenant. Non, 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 tu l'es avant. S'il te plaît. Cimer, c'est pas mal. Donc le fils qui a fait le truc. Par contre, j'ai perdu les 500 gold. Ah là, je suis très déçu. Ah là, je suis très déçu, je l'ai flashé, je me suis dit ça va passer easy, y a pas de problème. Par contre, flash sur une Janna, c'est peut-être pas la meilleure des choses, mais ça va, ça passe, ok. C'est super bien joué, j'ai rien dit, t'es le meilleur Nautilus, t'es vraiment le god du monde absolu. Allez, une auto, une petite auto, la petite auto. Et non, le heal qui a pop, quel dommage. Par contre, là, c'est chaud, hein. Là, par contre, c'est très chaud ce qu'il nous fait. Hein. C'est très la Mongolie, ça. Hein. Waouh, j'étais pas prêt pour ça. C'était très la Mongolie, ça, ce move. Oh non. Ah non, c'était pas ouf ça. Ah ouais, non. Donc c'est pour ça que Faker, Piglet n'aident que ça de la K-pop. Oui, c'est vrai que sur le stream de Faker ou quoi que ce soit, tu ne verras que de la K-pop, etc. Et ouais, c'est juste pour ça, ça vous donne du niveau. Donc j'ai fait un bon flash là. Ah, pas dégueu, en tout cas on a récupéré le deuxième Drake, donc c'est ok. Je suis level 11, donc j'aurai un peu d'impact sur cette game. Donc je suis top farm de la game presque, après l'Ariana. Donc c'est de récupérer un peu de farm, je vais laisser ça. Oh merde, j'ai fait mal quand même. Je pense pas faire aussi mal. Ouais, sorry. Je vais mettre un petit sorry là parce que là pour le coup, il faut que je refaire genre. Ah, je suis désolé. Oula, recule. Très énervé là. Et boum. 256. Quand même. Quand même. Ils sont énervés. Hein. Ils sont énervés sur moi quand même, les alliés. Hein. Mes chers amis. Voyez-vous, allez, mets-le en grab là c'est le moment de mettre le magnifique grab. Dommage, ça ne passera pas. Peut-être qu'il y a moyen de faire un truc. Qu'est-ce que ça va go? Il a pas osé go. Dommage. Malgré la Rattus Glory qui est partie, ça n'a absolument pas suffi. Donc on nous. Oula. Il y en a Trinket qui est parti de leur côté. Il va falloir que nous fassions très attention à ça. On peut pas go. On peut pas faire le nageur maintenant, vous êtes sérieux? Les gars, au bout d'un moment, je veux bien qu'on ait des balls, mais. Ok, ah vous voulez go vraiment? C'est chaud, hein. C'est très chaud là. Ce qui se passe là, c'est très compliqué. Les amis, moi ça ne me dérange pas de faire ce genre de move, mais quand même, il faut avoir une certaine paire de balls. Hein. C'est vrai qu'ils ont une Janna qui peut bump, ils ont une composition pour un bump qui est assez infâme.
faisons attention à ça. Il faut qu'on mette la vision un peu partout. Je vais mettre la vision ici aussi. Donc là, est-ce qu'on peut vraiment le faire? Je pense pas qu'on puisse le faire. Hein. Là, il veut trap. Ça, c'est bon par contre. Le trap, c'est pas mal. Pas dégueu ça. Waouh. Ouais, c'est pas dégueu du tout ça. Allez, ce bon ulti. Hop, hop, hop. Ouais, par contre, aidez-moi. Aidez-moi, c'est très énervé là. C'est très chiant. C'est très chiant. Ah, c'est très embêtant ça, le fait qu'on en tue zéro. Oh non, par contre. Par contre, il sait qu'il ne peut pas. Oh le shield. Dommage. Nice. Pas mal. Est-ce qu'il peut mettre l'auto? Nice ça. Le Echo qui est chaud. Hein. Le Echo qui est très très énervé là. Le spell qui ralentit. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Oh non, quel dommage. Donc là, on s'est un petit peu fait défoncer sur ce move. Donc en gros, là, ils sont tous partis. J'ai fait. Hello, team, s'il vous plaît. Je ne suis que Miss Fortune, moi. Je ne suis que Miss Fortune, je ne peux pas faire grand chose. Aidez-moi, s'il vous plaît. Et finalement, bah, je suis décédé. Ah, c'était super enrichissant ça. C'était une belle expérience. C'est n'importe quoi cette game. Je sais pas trop ce qui se passe. C'était vraiment très bizarre ce qui vient de se passer. Chacun fight dans son coin dans le team de RB. Ouais, non, mais c'est ça en fait. Moi j'étais là, j'étais en mode. Hey les gars! Hey! J'ai Yasuo et Rek'Sai sur moi! Y'a pas quelqu'un qui veut m'aider sur le Yasuo? Et je suis mort. Ah, c'était. Non, c'était pas ouf quoi. C'était pas ouf les gars. Donc là, je suis à 6-3-6 pour le moment. Donc il y a très largement moyen que je perde cette game, sachant que le Yasuo va me sauter dessus. Je pense à chaque fois. Et ça va être très compliqué pour moi, donc pouvons-nous faire quelque chose? Je vais du coup moi juste aller retirer cette ward pour le moment. Donc on peut le faire assez vite, donc avec un Ryze, avec Fizz, etc. Donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Donc voilà, on va juste faire ceci, retirer la vision, retirer encore une fois la ward. Non, 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 il fait trop mal le Nashor, arrête, arrête. Ah, j'ai pris trop cher de ouf. Oh, pas dingue. Pas mal, pas mal. Peut-être le grab qui passe, le grab qui... Oh non, c'est pas passé. C'est pas passé comme il le fallait. Faites attention quand même. Il a ralenti, il m'a touché. Je suis mort. Il m'a défoncé. Le Echo a bien joué. Enfin, le Yasuo a très bien joué. Là, sur le move, là, il nous a totalement défoncé la lanterne qui nous touche. C'était pas ouf. Oh là là, on aurait tellement pas du go sur le move là. Le Yasuo est très fort. Hein. Le Yasuo est très fort là, honnêtement. Rien à dire là-dessus. Cage. Nice. Ok. Ok, bon, ça va. Le Yasuo a grid. Heureusement que le Yasuo a grid, sachant que là, ils ne peuvent, je pense, pas faire le Nashor maintenant. Donc ça va. Honnêtement, tant qu'ils ne peuvent pas faire le Nashor, c'est ok pour nous. Non, il faut juste qu'ils bait là, il faut juste qu'ils leur fassent perdre du temps et il ne faut juste pas qu'ils meurent. Donc là c'est chaud. Ah là là! Quelle complication sur ce move! Oh! Ça c'était fort ça. C'était pas dégueu ça. Vas-y go go go, il faut qu'on rush, hein. Il faut qu'on rush le Nashor là, mon cher Echo. Donc rush it, Echo. Là je peux pas faire vraiment la différence hein. En réalité. Là j'ai essayé de faire des trucs et tout, mais en gros je me fais tellement zoner. J'ai utilisé mon heal, j'ai utilisé mon E, mais j'ai pas pu go. C'est assez dommage. Ils le font assez vite, mais je ne pense pas qu'ils aient le temps de le faire le temps que l'on arrive pour le moment. Là voilà, ok, juste mettre ça. Vas-y, style le juste. Oh, ils l'ont pas pris. Ils l'ont pris, putain, ils l'ont pas pris. Ils l'ont pris. Merde, j'ai raté. Je peux pas. Nice, nice. C'est pas dégueu. Y'a pas de possibilité pour moi, hein. Y'a pas de possibilité pour moi. Alors Ryna va juste me zoner, il va juste me tuer en fait. Hein. Nice, pas mal ça. Donc deux secondes. Oh putain! Elle s'est shield! Ah, c'est nul! Elle m'a tué! Ah, ok, il est mort. Alors Ryna, elle est très énervée, hein. 11-5-8. Ah là 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 là! Quel dommage! Tentons de la jouer, hein, honnêtement, tant qu'à faire, hein. Il vaut mieux. Tenter de jouer la game, on s'en bat les steaks, on va juste la jouer et c'est ok. Donc on a voulu faire des moves là-dessus, le Kog'Maw est revenu dans sa game, il va pouvoir faire mal. Le Ryze est pas si mal que ça, mais il a du level de retard. La Rek'Sai est trop bien, vraiment la Rek'Sai est level 14, elle tank énormément. Donc c'était pas ouf là-dessus. Pas mal, le smite qui passe, ah, le bump, ouais, est-ce qu'il peut vraiment le faire là? C'est pas ouf du tout. Donc là, ok, ultime, ok. Alors là on est sur un Yasuo invincible, le Yasuo il s'est mis trop bien. En gros le Yasuo a juste... a juste gagné la game sur ce move, donc je pense qu'on peut encore la gagner, mais là j'ai pas pu placer mon ultime avant, donc là ça va être compliqué là. Ouais, ça va être dur là. On a raté un petit peu le tout, donc notre fils est pas ouf. En gros il était ok home au début, mais après il s'est fait largement outscale, donc c'était pas si fou que ça. Voilà, prenons le farm.
Tentons de prendre un petit peu plus de farm, il faut de l'XP là encore. Pour me permettre de rester dans la game. Touche à sa action quand même. La shockwave. Ok, pas mal ça. Dommage, le grave qui ne passera pas sur cette Orianna. On aurait peut-être pu follow si jamais il avait réussi à placer son grave sur la Ori, mais bon, dans tous les cas, c'est pas dégueu. Voilà, reculons instantanément. La Ori qui est là. Ouais, je pense pas qu'on puisse vraiment. Je pense pas qu'on puisse réellement go. Hein. Là pour le coup, ils vont juste reculer, ça serait bien qu'ils sont low. Donc, je suis pas mal du loot farm maintenant. Enfin, pas mal. On va dire que j'arrive à prendre de l'XP comme il le faut. Donc là, ok, lui il est énervé. Hein. Le Yasuo est très énervé. Je vais partir vers un dernier souffle maintenant pour avoir vraiment un maximum de pénétration. Donc le dernier souffle sera pas mal en gros pour les presses air, mais il faut que je passe level 16. Car là ils sont devant nous. Et là c'est pas ouf quoi. Là c'est vraiment pas ouf. Donc j'ai pas assez de dégâts j'ai l'impression. Même si bon en gros c'est juste le champion qui fait ça. Hein, mais j'ai pas trop pu me positionner sur les fights. Et si j'avais un peu plus de protection je pense que j'aurais pu faire la différence. Mais on a voulu go. En gros on a voulu prendre plutôt la stratégie du on go in. C'était peut-être pas la meilleure des choses à faire. Ok nice. On enlève la ward. Je vais essayer de mettre une ward ici. Est-ce qu'ils vont la retirer? Ils vont pas retirer la ward pour le moment. Faut que je fasse attention. Ok, ils vont la retirer maintenant. Le Yasuo qui est parti sur Static plus Botarka qui aura ensuite son IE. Dès le moment où il a IE, on est terminé. La game était. Putain de merde. Ah ouais, vraiment? Ah, c'était donc ça les dégâts? Ah ouais, non, c'est chaud quand même. Pas mal ça. Nice. On a pris un kill. Pas dégueu. Est-ce qu'on peut go? Voilà, on attaque. Vas-y, une petite auto plus. Oh putain, je peux pas. Oh non, dommage. Ah, j'ai pas pu faire mieux là. J'ai mis un maximum d'auto-attaque. Juste que j'ai pas assez de pourcentage de critique. Je pense que mon build n'est pas optimal. Mais bon, c'était prévu hein, de toute façon. Mon build n'allait pas être optimal dès le moment où j'étais parti là-dessus. Donc là, il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse très attention. Oh mais mec, le wall là, il est insane. Hein. Le wall, mec, bon. À quel moment je peux le tuer? Oh, il est reparti. Il est reparti grâce à son ultime. C'est bien joué de sa part. J'ai pas pu go. Casse-toi, putain. Ah c'est chaud hein. Le écho qui prend trop cher aussi. Le écho fait mal mais il prend beaucoup trop cher. Il faut que je fasse gaffe. Ah il est parti sur full dégâts aussi hein. Donc c'est normal. Après il fait des dégâts. Forcément. Faites attention quand même les amis. Faites attention. Donc je vais repartir sur le Newguard. J'ai pas le choix. Prendre un gros ulti de Rek'Sai, il faut enlever les tunnels là. Hein. Face à son tunnel. Oh mais putain de merde. Je pense que je fais mal. Honnêtement, je pense que je fais assez dégâts. Le problème, c'est ce Yasuo, les gars, qui est level 16 déjà. On est sur de l'énervement. Hein. Ouais. 6-2 tout 6-5. Ouais, je vais laisser ça comme ça en mode vraiment. Brain dead, on laisse les autos qui partent. Du coup, je rate pas mal de creep. Ok, nous allons pouvoir back. C'est quoi, je vais partir. Je vais partir sur ça. Ils ont toujours pas pris d'inhibiteur, donc c'est pas mal. Si jamais on arrive à leur prendre un bon fight ce tour, ça peut être ok. Mais il faut vraiment qu'ils fassent les débiles. Genre, si jamais ils font ça, c'est qu'ils sont vraiment dans la débilité même. Donc j'ai eu la même chose que toi avec MM, j'étais à 4-1 puis je suis passé en 7-8 en score final. Oh là il y a des chances que je passe en bon score négatif. Et pourtant j'ai pas été dégueu tu vois, genre honnêtement. Juste que je me suis fait go in à plusieurs reprises. Et du coup j'ai pas non plus pu faire la différence. Donc, faut que fasse attention. Nice ça, nice ça c'est très bon. Nice ça, ça touche bien. Ok il a même pas le temps de mettre ça, shockwave, le bon flash grab qui passe, le stun aussi. Donc là l'auto, ok nice, faut qu'on pêche mid là. Est-ce qu'on peut vraiment aller de go? Les couilles, pardon. Est-ce qu'il y en a un qui peut défendre en fait? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on peut défendre sur eux? Ils sont deux, ils vont prendre un inhibiteur aussi. Enfin, ils vont prendre un inhibiteur, donc on va même pas en prendre un. Il faut juste leur cancel les bacs. Hein. Là, il faut qu'on tente quelque chose. Là, en gros, c'est vraiment le mode. On a pris deux kills, faut qu'on tente quelque chose. On n'a pas le choix. Oh putain, qu'est-ce que la tornade? Voilà, prenons un inhibiteur aussi,
En gros, si on peut trade un inhibiteur contre un inhibiteur, c'est ok, sachant que c'est worse sur un trade où on est déjà en train de perdre. Donc forcément, il vaut mieux la tenter dans cette optique-ci. Donc faire attention maintenant. Allez, il faut qu'on y aille groupé. Hein. Il faut qu'il y en aille de manière de très groupir. Ah, j'ai très peur pour moi. Hein. Putain de merde. Je suis mort 100%. Ça ne sert à rien là, je pouvais absolument rien faire. On a les assauts qui est en train de dépush, qui tue les deux. Ah ouais, d'accord. Il fait du 1v2 lui vraiment. Bah, du coup, c'est fini en fait. Mais du coup, les gars, cette game est terminée, n'est-ce pas? Pas mal, ça met ça, ça met la zone. Est-ce qu'il y a pour le faire? Il a pas eu le temps malheureusement. Donc là, je pense que les assauts finit la game. Les assauts a bien joué, putain, sur cette game. C'est terrible, hein. C'est terrible. Est-ce qu'ils vont pouvoir terminer? Je pense qu'ils vont pouvoir terminer, honnêtement. Donc là, on est. Ah oui, on est sur du. Ah oui, là, on est sur du bon gros fils qui n'a pas l'air d'infliger beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc ça n'a pas l'air d'être fou. Partons là-dessus. Partons là-dessus. On s'en va les steaks. On va lâcher un gros ulti à 9 secondes là. On n'a pas vraiment le choix. Donc on va tous être présents d'ici quelques instants. Donc va falloir qu'on y aille. Il va falloir qu'on aille tanker un peu. C'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être moyen là. Nice ça. Nice. Bon ralentissement. Nice. Ok, c'est bon. On prend du coup ça. Le creep m'a défoncé. Hein. Le creep m'a quasiment défoncé. Ok, faut go, faut go. Peut-être moins de faire un truc. On a pris 2 kills sur ce move. Il faudrait qu'on aille prendre le Nashor. Donc je suis à 6-6-13. J'ai l'impression d'être un putain de support sur cette game. J'ai 30% de CDR, sachant que bon, j'ai pas non plus spécialement de la CDR de base. Donc vas-y, partons, partons là-dessus. On n'a pas le choix. Hein. De toute façon, c'est le move de dernière chance. On a absolument aucun autre espoir de remporter celle-ci. Donc là, on est parti sur du gros Nashor, les potes. Et on va l'avoir, non, sans trop de difficulté. À moins qu'on se fasse style, et là ce serait très très décevant. Le gamin termine la game. Ah, il termine la game. Lol, on peut rien faire. Let's go, let's go. Allons-y, allons-y. Sur la Janna. Mais lol. Allez, le doublé. Est-ce qu'on peut les push? Est-ce qu'on peut les push? Faut faire attention, il faut que quelqu'un défende. Hein. Il faut que quelqu'un défende. Hein. Je suis pas sûr que là la Rek'Sai puisse faire quoi que ce soit. Hein. Sur ce move. Hein. They don't have damage. Ils ont pas de dégâts là, juste Yasuo. Ouais. Est-ce qu'on peut push? Est-ce qu'on peut push? Eh, c'est n'importe quoi cette game. Hein. Ils veulent pas prendre le Drake. Ça sert à rien de prendre le Drake. Là. Sur ce move-ci, je pense que ça sert absolument à rien de prendre le Drake. Ok, j'ai enlevé un gros 200 là. Waouh, j'ai fait mal. Est-ce qu'on peut push 10 secondes? C'est chaud, c'est chaud. Je pense qu'on peut pas. Je pense honnêtement qu'on peut pas. Death Fizz. Reculons, reculons instant, reculons instant, pas mal ça. Reculons juste. Oh là 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 là, il va les baiser. Il va les baiser total. Le Yasuo qui fait tellement la game. Vas-y, je vais essayer de leur faire perdre du temps. Essayer de leur faire perdre du temps. J'essaie de bloquer les creeps, hein. En gros là j'ai pas vraiment d'autre choix. Il faut les fight là. J'essaie de leur faire peur un peu, genre en mode hey les gars, je suis là, hein, faites gaffe. Hein. Ils s'en battent les couilles, hein, vraiment. Hein, là, ils s'en battent totalement le steak. Donc partons là-dessus. Essayons d'aller là-dessus. Alors, ça, il faut qu'on leur laisse ça. Ok, il faut que je fasse gaffe. Ok, je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Ah ! Ça sert à rien. Il y a le Echo, il y a le Echo qui arrive. Le Echo et le Rise. Il y a le Echo et le Rise. Il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen là. C'est n'importe quoi cette game. C'est n'importe quoi cette game, vraiment. Hein. Le Rise peut-être les dégâts. Ok, il a pas de dégâts. Nice MDR. C'est super cool ça du coup. Oh là là, mec, il se fait défoncer sa race. Il fait... Ouais, le Rise fait mal en réalité. En fait, j'ai menti. J'avoue que j'ai un peu menti, mais en gros, en face, il tank beaucoup trop. Et là, c'est le GG well played. Ils ont du coup remporté cette partie. C'était une game, honnêtement, très très drôle. Là, pour le coup, on s'est bien tapé des barres là, mais on n'a pas pu faire grand chose. Là, j'ai essayé de reculer. Ils m'ont go in. J'ai réussi à tuer la Rek'Sai juste avant. Mais on est mort quand même, donc c'était pas non plus insane. J'ai fait un build hein, vraiment à la base de. Genre vraiment, on prend des items en mode on presse R. Là pour le coup, on avait beaucoup trop de retard. Lui assaut à solo carry. Donc on est quand même encore D1, donc ça va. On reste top gold de notre équipe, donc c'est ok. C'était une game assez étrange. On va dire que le Nautilus était très bon. Honnêtement, le Nautilus sur la botlane a très bien joué sur les phases de lane. Après, on a fait des calls assez bizarres.
Au niveau du DPS, ça reste ok. Honnêtement, c'était pas si dégueu que ça. Et même, je pense que c'est pas un si mauvais champion que ça, honnêtement. En early, mid, c'est ok, mais ça a pas vraiment de phase où c'est extrêmement fort. Donc, un petit peu dommage. On a eu un Echo qui a eu K10, malgré le fait qu'il n'ait pas si mal joué que ça. Le Fisk s'est fait totalement ouvrir sur la top lane. Et le Yasuo qui a, je pense, solo carry, qui a justement permis à son équipe de faire la différence. Malgré le fait qu'il n'était pas tant devant au niveau des dégâts, qu'il n'était pas justement premier au terrain de DPS. Il a mis la pression là où il devait la mettre et c'est ça qui a fait la différence. Donc voilà, en tout cas GG well played, c'était une game assez drôle, hein. Donc c'est bien éclaté. Donc c'était une petite game des pics oubliés, voilà, Miss Fortune, un pic qui avait largement disparu. Et honnêtement, je comprends un petit peu pourquoi il a disparu car c'est pas si fou que ça. Donc voilà, sur ce, si vous avez apprécié cette game, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, vous abonner à la chaîne, etc. etc. Comme d'habitude, à partager la vidéo dans le monde, cliquez sur les liens dans la description pour me rejoindre sur Facebook et sur Twitter. Sur ce, vous tous qui êtes sur live, on se retrouve d'ici quelques instants. Pour tous qui êtes abonnés, je vous parlerai pendant les coulisses, je vais du coup répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez me parler, bah abonnez-vous, hein, tout simplement, pour me poser toutes les questions. J'essaierai de répondre en vocal. Et après, je reviendrai pour parler avec vous, mes chers amis qui êtes forts. Hein. Donc allez, à tout de suite, je fais des bisous. Et voilà, à toutes.